Salut tout le monde, nous sommes à Marseille, à l'Orange Vélodrome pour être précis. Au micro, bien sûr, il y a l'Argentin Omar Da Fonseca et moi-même, Benjamin Da Silva, général. C'est très... Vous entendez les chants de supporters, l'odeur de la pelouse, la boule qui serre les ventres avant un match. Voilà, c'est ça le football. C'est parti avec le coup d'envoi dans ce match. Ça joue derrière. N'Golo Kanté. Ce ballon pour Paul Pogba. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Voilà une attaque qui progresse bien. Kylian Mbappé. Oh, le plongeon de Livakovic. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention des... Et ça joue sur N'Golo Kanté. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Nkunku. Oh là 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 là, Christopher Nkunku. On connaît son répertoire, on connaît sa partition, mais voilà, comme quoi, son catalogue est infini. Depuis quelques minutes, les tirs se multiplient, la défense commençait à plier, tout le monde était obligé de le reculer. C'est très bien fait tout ça et ce but est largement mérité. Oui, ce match donc 1-0 au tableau d'affichage. Et donc l'arbitre siffle la faute, c'est un coup franc. Traduit la faute, c'est donc un coup franc. Le ballon pour Tchaletatsa. Et non, finalement, ça n'ira pas. Terzic. Kovacic. Quelle action splendide! Elle partait très bien cette tête! Il fallait aller la chercher, celle-là! Et voilà, c'est donc un corner. Ah non, cette attaque est stoppée. Bon retour de la défense. Le match est interrompu, le joueur est toujours au sol et donc les soigneux prendre. La balle vers Modric. Et c'est pour Lucas Hernandez. Ballon pour Antoine Griezmann. C'était prometteur, mais la défense est attentive. Et l'équipe reprend la possession. Le tir de Griezmann. Un peu trop sur le gardien qui s'en saisit sans problème. La balle vers Modric. La faute est signalée. Et l'arbitre, justement, accorde le coup franc. Ouh, le rouge là. Et ça peut être un tournant dans ce match. On les sentait sereins. Et ça peut tout changer là. Et oui, mais l'ami, ce n'est pas attendre que la tempête passe. C'est danser sous la pluie. Ousmane Dembélé reçoit le ballon. Ballon pour Nkunku. Nkunku la frappe. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doubler.
Allez, c'est une... Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Passé dedans, qu'est-ce qu'il est bien frappé ce pénalty. C'est même très difficile. Il faut de la technique, mais aussi beaucoup de sérénité. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Luka Modric. Le ballon traîne, attention. Très bonne anticipation pour récupérer ce ballon dangereux. Frappé la frappe. Oh, le plongeon de Livakovic. Ce ballon est repris suite à ce duel. Le ballon pour Mateo Kovacic. C'est une transmission bien coupée. La frappe. Oh, le golazo. Le but de Christopher Nkunku. Conduite, maestria, finition. Il a les clés de toutes les serrures, de toutes les défenses. Et avec ce but, le score est maintenant de 3-0. Le ballon pour Mateo Kovacic. Et ce ballon pour Christopher Nkunku. Ah, il peut frapper là, Nkunku. Et oui, le but. Voilà le troisième pour le hat-trick. C'est incroyable. Voilà son troisième but personnel du match. Des croix récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit. Ballon fait. Ah, c'est un match à sens unique, cette équipe est vraiment au-dessus du lot. Le tableau d'affichage clignote, mais d'un seul côté. La frappe de loin. Et la trajectoire passe un peu trop au-dessus du but. Ballon. Ça y est, c'est le coup de sifflet donc pour la mi-temps à l'Orange Vélodrome.